De longues files d'attente au guichet des banques en Inde pour une surprise qui est vite devenue une grosse pagaille. Les habitants se sont réveillés en ne pouvant plus utiliser leurs billets de 500 et de 1000 roupies, les plus hautes valeurs en circulation dans le pays. En toute discrétion, le Premier ministre a rendu caduques ces coupures pour lutter contre l'évasion fiscale et le marché noir. De nouvelles coupures de 500 et de 2000 roupies ont remplacé celles qui ont été démonétisées, mais les files d'attente au guichet sont longues et les distributeurs saturés. Il y a une énorme pénurie, nous n'avons plus de petites coupures. Mes poches sont vides et c'est pareil chez moi. Il y a une pénurie de petites coupures partout. Si vous achetez du lait, le laitier n'accepte plus les pièces. Dans les stations-service, on ne peut pas prendre d'essence en dessous de 500 roupies. La pénurie est énorme. Des centaines de millions d'Indiens se retrouvent soudain avec insuffisamment d'argent liquide dans leur portefeuille pour leurs achats du quotidien. Dans une économie où 90% des transactions se font en cash, les billets démonétisés doivent être échangés contre de nouvelles coupures ou déposés sur un compte en banque, tout en étant capables de prouver la provenance des grosses sommes d'argent.